Bonjour à toutes et à tous, au revoir, j'espère que vous allez bien. Moi, en tout cas, ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau format de vidéo, les théories. Les théories sur les mangas, et aujourd'hui, on commence avec la théorie sur Zoro, et plus particulièrement la mort de Zoro. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à vous rappeler que c'est une théorie et non du spoil. Certaines personnes pensent que Zoro va mourir dans les prochains chapitres de One Piece, et je fais partie de ces personnes. En effet, Oda a laissé des indices qui pensent à croire que le futur meilleur escrimeur du monde va disparaître, car comme vous le savez peut-être, Oda ne laisse rien au hasard. Il prévoit tout à l'avance. Ces indices, les voilà. Ils se trouvent sur la couverture en couleur du chapitre 784. Sur celle-ci, nous voyons les Mugiwara qui font un pique-nique dans un cimetière. Mais ce qui nous intéresse, c'est sur quoi est assis notre sabreur. Et oui, il est assis sur une pierre tombale. On pourrait penser que c'est banal. Mais cependant, tous les autres sont assis dans l'œuvre. Mais bon, là, rien de bien étrange. Pourtant, lorsqu'on regarde plus attentivement cette pierre, on s'aperçoit qu'il est écrit décembre 20 944, ce qui nous donne envie de croire que le chapitre 944 sera publié le 20 décembre, à Noël donc. Mais bon, là, comme vous le savez, nous sommes au chapitre 933, et la mort de Zoro est au chapitre 944. Donc on est un peu après Noël, donc c'est à peu près après Noël que la mort de Zoro va survenir. Encore plus étrange. Au-dessus de décembre 20 944, on peut lire les lettres TES et encore en dessous la lettre O. On peut donc imaginer qu'il est écrit Pirate Zoro. Maintenant, attardons-nous sur le O que porte Zoro. Il est écrit quelque chose, mais nous ne pouvons pas tout voir. Mais on peut deviner la phrase suivante: El querie ultimo riem error. Désolé pour l'accent. Cette phrase est donc en espagnol et on peut grossièrement la traduire pour que cela donne le dernier rire du meilleur. Oda nous laisse donc penser que notre escrimeur va mourir au combat après avoir fait son dernier rire dans le chapitre 944. Et pour finir, on peut penser qu'en voyant les mots Ultimo et Mejor sur le t-shirt de Zoro, le titre du chapitre 944 sera donc le dernier et le meilleur. Voilà les gens, c'est tout pour ce premier épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Moi je pense vraiment que Zoro va mourir dans le manga, voilà, c'est que mon avis personnel. Après vous en faites ce que vous voulez, je voudrais pas vous influencer, mais vraiment il y a beaucoup d'indices qui portent à croire cela. Et donc les gars, moi je vous laisse pour une prochaine vidéo, j'espère que celle-ci vous aura plu, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Et donc, ciao tout le monde.